Chers amis, la Bible dit dans Proverbe 28:20, une personne fidèle sera richement bénie. Notre Seigneur nous inculque constamment les qualités de la fidélité. Nous lisons dans la Bible qu'Abraham était un homme fidèle. Nous trouvons dans Néhémie 9 versets 7 à 8 comment Dieu trouva Abraham juste et fit une alliance pour le bénir ainsi que sa descendance. Aujourd'hui, nous pouvons aussi être bénis comme Abraham en devenant une personne fidèle. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham peuvent être héritées par nous par la foi. Dieu recherche un cœur fidèle et il prend grand plaisir à cette personne fidèle. Il trouve une telle personne et il demeure dans son cœur. La Bible dit dans 1 Samuel 16:7 et aussi dans Proverbe 21:2 que Dieu regarde au cœur. Donc, aujourd'hui, je vous encourage à développer un cœur fidèle afin que Dieu habite dans nos cœurs et place ses bénédictions sur nous. Chers amis, si vous lisez 1 Jean 9 et Actes 10:35, vous réaliserez que confesser vos péchés à Dieu, tout comme ce prisonnier l'a fait, vous libérera et vous aidera à mener une vie juste. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir vos cœurs à notre Père Céleste et de lui confesser les péchés que vous avez commis contre votre frère, sœur, parents, enfants, votre voisin ou toute autre personne. Notre Seigneur est un Dieu miséricordieux. Il nous pardonnera et nous rendra dignes d'être fidèles dans tout ce que nous faisons. Soyez assurés des bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Si nous confessons nos péchés et cherchons Dieu aujourd'hui, Dieu nous bénira abondamment et fera de nous une personne fidèle. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour cette journée. Seigneur, aujourd'hui nous avons appris comment hériter de tes bénédictions. Pardonne nos péchés et aide-nous à être une personne fidèle. Aide-nous à avoir un cœur contrit qui te plaise. Merci pour votre grâce et votre miséricorde. Au nom de Jésus nous prions, Amen. Bien-aimés, bénédiction sur vous et sur toute votre famille. Dites Amen en commentaire.